Alors sinon, vous allez relever le défi avec Paul Karenik dans le prix Cambacérès, qui va pour la première fois affronter des rivaux de cette trempe. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Ah, Paul Karenik, c'est un bon cheval, hein. C'est un cheval qui est en plat, qui avait une bonne valeur, qui s'est bien adapté à l'obstacle. Il a un tout petit défaut, il est un peu allant en partant. Il a gagné le finot bon, facilement, mais bon, on l'a un peu dénigré ce finot parce qu'il y a eu deux chutes à la dernière OE, mais bon, c'est lui qui a gagné. Mmh. Et disons que voilà, le cheval va bien courir. S'il est un peu sage en partant, qu'il ne tire pas trop, c'est un bon cheval. L'autre jour, avec 70 kilos, il est battu d'une longueur et demie en étant quatrième pour la victoire. Il y a une longueur et demie. Mmh. Franchement, il court très très bien. On a un peu offensif aussi. Mmh. Voilà. Oui, parce que finalement, De Weiss, bon, domine jusque-là sa génération, mais sinon, derrière, bon, c'est ouvert, hein. Oui, derrière, il y a les chevaux qui ont couru avec moi dernièrement, là, les trois qui m'ont devancé, mais il n'y a pas beaucoup à l'arrivée, il y avait 3 kilos de plus, on se retrouve voilà. À poids égal. Oui, De Weiss est paré au-dessus, mais après, les deux chevaux à M. Gallorini sont bien, mais bon, c'est pas des épouvantails non plus. Il y a la jument à M. Collet qui est très bien aussi. Mmh. Voilà, donc c'est ouvert pour une place, quoi. Mmh. C'est ouvert pour les places. Là, il paraît un peu au-dessus, mais après, c'est jouable. C'est franchement, c'est un bon cheval pour le Karenik. Je suis surpris qu'il court très très bien.